le RSA, comment ça marche? Pour bénéficier du revenu de solidarité active, des démarches sont nécessaires. Zoom sur les parcours de Paul, Samia et Louis. Paul, Samia et Louis ont fait une demande de RSA à la Caisse d'allocation familiale ou à la Mutualité sociale agricole. Leur dossier leur ouvre le droit à l'allocation. Les dossiers sont transmis au service du département qui les informe par courrier des contacts à prendre. Le courrier oriente Samia, Paul et Louis vers des référents selon leur profil. Samia vers des travailleurs sociaux des agences de la solidarité du département. Louis vers un travailleur social du CCAS ou une association. Paul vers Pôle emploi pour la recherche directe d'un emploi. Un entretien est organisé avec le référent. Il est obligatoire pour le versement du revenu de solidarité active. Samia est embauchée par une entreprise de menuiserie. Louis suit une formation pour lancer son activité en tant qu'auto-entrepreneur. Paul travaille dans une association d'aide aux personnes âgées. Pour en savoir plus, héros.fr.